faut arrêter, sinon je vais pleurer comme au départ. Bon, je vais raconter un peu comment ça s'est passé. Donc, voilà. Enfin, on va le faire en deux temps. Donc, d'abord, peut-être en une demi-heure, j'essaie de restituer à chaud. Voilà, il fait toujours chaud. Comment ça s'est passé. Et après, je vais faire l'exposé que j'ai fait dans pratiquement tous les centres. Voilà. Donc, ça va durer un tout petit peu. Ne vous gênez pas de sortir si vous en avez marre. C'est pas un problème. D'accord. Merci beaucoup d'être là. Enfin, j'ai reçu beaucoup de soutien pendant ces 7 semaines. Donc, c'était vraiment un super plaisir. Et enfin, j'avais l'impression de ne pas le faire pour rien, quoi. Donc, voilà. Alors, c'est l'émotion. Donc, je vais raconter pourquoi je l'ai fait. Donc, l'idée m'est venue à la mi-mars, donc, en faisant du vélo, donc, ce qui ne m'arrive pas souvent, jusqu'à maintenant. Donc, je fais du vélo avec, avec ma famille, et aussi c'est une période, de toute façon déjà depuis quelques années, je travaille dans une équipe qui s'occupe des questions environnementales, comme on dit. Et aussi depuis quelques mois, ça discute pas mal environnement chez INRIA, à l'INRIA. Et dans ce contexte-là, l'idée m'est venue vraiment de nulle part. Enfin, je n'ai pas cherché l'idée. C'est juste en faisant le vélo, je me suis dit, bon, ça serait quand même cool de faire le tour des centres à vélo et parler environnement. Okay. Et après, bah, c'était une idée théorique. Et pendant 2 semaines, je n'ai rien fait avec. Et après, enfin, c'est comme, comme toujours en recherche, en fait. Quand il y a une idée qui vient, elle te laisse pas tranquille, elle ronge. Voilà. Et du coup, à un moment donné, je commençais à faire les calculs, combien de temps ça me prendrait, qu'est-ce que je raconterais, et tout ça. Et après 2-3 semaines finalement de réflexion, j'en ai parlé à ma famille et je me suis dit, elles ne vont pas me permettre de partir aussi longtemps, parce que c'est quand même pas sympa, quoi. Mais en fait, tout au contraire, ma femme et ma fille m'ont dit, en fait, elles ont vu que ça me tient à cœur. Et en fait, ma femme m'a dit, je viens avec toi. Et je lui ai dit, ouais, c'est quand même 6, enfin, à l'époque, j'ai calculé 6 semaines, bon, à la fin, c'était 7. Et je lui ai dit, bon, c'est quand même certaines distances à faire et tout. Et finalement, bon, elle a dit, ouais, allez, vas-y seule. Et voilà, donc j'ai convaincu la personne la plus importante et j'ai eu l'autorisation de le faire. Et après, j'ai quand même encore réfléchi, en fait, parce que je ne savais pas du tout si j'avais la forme, parce que je fais plus de sport, en gros. Je fais un peu de yoga, une fois par semaine, mais c'est à peu près tout. Et donc, j'ai fait un stress test. Donc, je fais 80 km jusqu'à Pontcharra, retour à la maison, parce que j'habite en hauteur. Et je me suis dit ce matin, si j'arrive le soir et je ne suis pas trop crevé, je peux le faire. Je n'étais pas trop crevé, donc je dis voilà, c'est bon, c'est décidé, je le fais. Et un mois avant de partir, j'ai discuté aussi avec 2-3 personnes de confiance, qu'est-ce qu'ils pensaient de cette idée. Et ils ont dit, ouais, ça. Enfin, en fait, ils ont trouvé ça plutôt super. Et du coup, un mois avant de partir, j'ai pris la décision de le faire. Et j'ai informé la direction, donc supérieur direct, c'est Jean-Frédéric Gerbeau, directeur scientifique de l'INRIA, parce que quand même m'absenter pendant un laps de temps aussi long, même si j'ai l'intention de faire mes mails et tout ça, c'est quand même pas rien. Et il a trouvé l'idée aussi assez sympathique. Et après, il a dit, il m'a demandé en fait, c'est juste une idée théorique ou il a senti que j'avais décidé de le faire et je ne lui ai pas demandé la permission. Donc, il a dit, ouais, donc, tu vas le faire, c'est ça. Voilà. Et je dis oui, et je vais le faire. Et de toute façon, je le fais sur mes congés. Donc, j'ai tout fait sur mes congés, sauf quand je suis dans les centres. Là, c'était des missions sans frais INRIA. Et je le fais uniquement pour le plaisir de cocher vélo comme moyen de transport. Donc, à mon avis, j'ai doublé, triplé, quadruplé le nombre de missions en vélo de l'année 2019 à l'INRIA, facilement, voilà. Et voilà, donc la décision a été prise et c'était la veille de notre départ en congé, en fait, en famille,
qu'on avait planifié depuis longtemps. Et du coup, à la fin des congés, il me restait 2 semaines pour tout préparer. Enfin, et finalement, j'avais le vélo à préparer un tout petit peu, quand même réfléchir pas mal de choses. Mais sinon, pour le reste, en fait, j'ai délégué toute l'organisation au centre. Donc, un lundi matin, je crois, avant de rentrer des congés, j'ai envoyé un mail à tous les directeurs des centres, les délégués scientifiques, et je leur ai dit que j'ai passé tel jour. Et je les invite, enfin, je leur ai dit, ça serait sympa si vous pouviez m'accueillir. Et si vous voulez, organisez tout pour moi. Et en fait, je savais qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, ils devaient le faire. Et en fait, pratiquement tout le monde l'a fait avec un enthousiasme incroyable. Donc, c'était vraiment touchant. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Alors, Jean-Frédéric Gerbaud, il m'a demandé, mais est-ce que tu as une stratégie de communication? Et j'ai dit, en fait, j'en ai pas. Et je n'ai pas le temps d'en développer une. Donc, en gros, je lui ai dit, mon idée, c'est que moi, je fais mon truc. Déjà, en soi-même, je crois que c'est peut-être plutôt sympa pour les gens. Après, dans les centres, je raconte ma vision des problèmes environnementaux, en fait, un angle de vue qui est le mien. Et je vais faire mon truc. Et pour tout le reste, en fait, les gens vont s'approprier ou pas le truc à leur manière. Donc, je disais, en fait, les uns, ils vont voir juste le côté sportif. C'est ça qui va leur plaire. Les autres, ils vont voir le côté voyage. Voilà. Et je crois que ça a plu à beaucoup de gens parmi vous aussi. Et puis, et d'autres, enfin, c'est pas exclusif, mais beaucoup de gens vont voir, en fait, peut-être les petits messages sur l'environnement que je voulais passer. Que j'arrive à les toucher de cette manière-là. Et peut-être d'autres gens, peut-être ça les fait tout simplement chier de parler encore plus d'écologie. Et du coup, voilà, ils vont s'approprier la chose de cette manière-là, en peut-être disant, en rouspétant, quoi. C'est comme ça, quoi. Mais c'est pas grave. Et voilà. Et du coup, je dis, voilà, j'ai pas de stratégie de communication. Si ça me dépasse, si des gens s'approprient le projet d'une manière ou d'une autre, en organisant des choses, en faisant de la communication, ça me va. Voilà. Et du coup, dans chaque centre, en fait, les gens organisaient des choses, des petits événements, des exposés de scientifiques locaux, tout ça. Et ça s'est fait naturellement. Voilà. Donc, ça s'est super bien passé, quoi. Voilà. Donc, quel était mon objectif, en fait? Donc, on parle de plus en plus, même dans un institut d'informatique ou numérique, comme il faut dire, on parle de plus en plus des questions environnementales. Et en gros, c'est le problème numéro un de l'humanité. Donc, c'est normal qu'on fasse ça. Et par contre, ce que je pense, c'est que je co-anime actuellement un groupe de travail sur la question et on va produire 2 rapports. Voilà, on a produit un rapport, un deuxième rapport. Donc, il y a les rapports, il y a des discussions sur les mailing lists et tout ça. Et je me suis dit, une fois que j'ai eu l'idée de faire ce tour, que cette manière de parler de l'environnement, ça peut être un complément. Voilà. Et mon espoir, c'était que de faire réfléchir les gens, peut-être encore plus que d'habitude, et aussi les faire discuter entre eux dans les centres. Parce qu'on a le constat qu'il y a quand même beaucoup de gens encore, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de l'environnement, mais souvent ils sont encore isolés, ou ils pensent être isolés, ils sont les seuls dans leur équipe ou au service à se poser les questions, ils le pensent, et finalement en fait ils ne sont pas si seuls que ça, il y a plein de gens qui se posent les questions, et ça je l'ai vu en fait se passer dans pas mal de centres, parce que j'ai fait mon exposé, parce qu'il y avait la discussion, il y a des gens qui se sont vus, enfin qui ont vu, ah oui, il y a tel autre en fait qui s'occupe de ça, qui se préoccupe de ça. Et ça, j'espère en fait que ça a créé des liens entre les gens. Voilà. Parce qu'il faut quand même agir localement aussi. Il ne faut pas tout faire via la direction ou des choses comme ça. Okay. Donc l'objectif c'était de créer de la discussion. Et voilà. C'était ça.
Donc là, j'improvise complètement parce que enfin, je me suis levé à 6 heures du matin pour préparer juste une sélection de photos quand même. Voilà, mais je n'ai pas un discours tout prêt, mais ce n'est pas grave. Donc un retour à chaud. Donc j'ai déjà raconté un peu comment ça s'est passé. Après, si vous avez des questions, vous les posez, hein. Voilà. Comment passer de la théorie, donc ça c'est le planning, à la pratique. Donc, bon, étant allemand, je respectais scrupuleusement le timing. Je ne savais pas, hein, enfin, si j'étais capable de le faire. J'étais à la fois confiant et à la fois craintif, ouais, parce que voilà, je partais un peu dans l'inconnu. Mais après 5 jours de traverser les Alpes, enfin, j'ai pris le chemin le plus facile, hein, quand même. Je savais que c'était bon. Après, j'ai pas compté avec la canicule, la tempête et tout ça. Mais globalement, ça s'est bien passé. Bon, je vais pas faire passer en revue des photos, quoi. Donc ça, c'était au départ. Même moi, enfin, ce matin, en regardant tout ça, ça m'a fait du bien, parce qu'après 7 semaines, on oublie des choses. Et de toute façon, aujourd'hui, je me sens bizarre, parce que c'est fini, et en même temps, je suis encore complètement dedans, quoi. Donc c'était le départ. Donc voilà. Il y avait voilà, une petite ruelle. Voilà, j'ai l'air dynamique, non? Là, pratiquement, enfin, la moitié de l'équipe m'a accompagné toute la première journée, déjà avec des montées quand même pas mauvaises. Et on a fait la fête le soir. Donc, il y a un photomontage avec Manu sur le vélo. Mais aujourd'hui, il a fait les 40 km. Hein. Le Trièves, génial quand même. Enfin, rouler là-bas, c'est à côté, quoi. Faut juste y aller. Après, le premier col, en fait, je le craignais parce qu'on m'a dit il y a plein de lacets, tout ça, c'est raide. Et finalement, enfin, faut pas dire que c'était facile. Mais en fait, ma philosophie, comme j'avais aucun entraînement, ma philosophie, c'était d'arriver le soir. Le moins crevé possible. Et du coup, chaque fois quand je sentais m'essouffler, je ralentissais. Et du coup, je roulais vraiment de manière très, très lente, quoi. Et comme ça, j'arrivais à ce col-là, avec une super descente après. Là, en dessous du col, habite notre collègue et ami Denis Dupré. Donc, je lui ai rendu visite. Et à l'improviste, bah, il a fait, hop, allez, il m'a accompagné sur 20 ou 30 km. Hein. En descente, c'était super, lui il a dû remonter. voilà. Après, deuxième ou troisième jour, je ne sais plus, je suis passé à côté du village de Pépin. Du coup, ouais, j'ai fait le petit jeu de mots là. Et donc, après 2 ou 3 jours, bon, il n'y avait pas encore de pépin. Et en fait, j'ai eu aucun pépin. Enfin, les gens étaient presque déçus quand je leur ai dit bah, t'as pas crevé, c'est pas normal. C'est vraiment. Voilà, enfin, j'ai eu aucun souci technique. Voilà, voilà. Et au niveau physique, bon, j'ai eu mal aux fesses tous les jours, mais j'ai pas eu de soucis. Voilà. Patrick Gros, dans son mail d'encouragement, il m'a fait une liste de choses. Ouais, d'abord, tu auras mal là, après là, après là, après là, après là. Ben non. Donc, hein? Ouais. Donc, pas de pépins. Voilà. Après, je ne sais pas, on m'a posé la question tout à l'heure, quelle était la meilleure étape et tout ça, le meilleur moment. Et ça, je ne sais pas, quoi. Mais un premier moment où je savais que j'étais vraiment parti, c'était après une montée assez longue, dont j'ai oublié le nom, donc c'était le troisième ou quatrième jour. C'était une vallée tout à fait paisible. Je monte, je monte, je monte. C'était l'épisode avec le plongeur, ceux qui ont suivi le blog. Et j'arrive en haut, il y a un sacré vent. Donc, d'un côté, on voit la vallée, bon, c'était vraiment joli le relief. Et de l'autre côté, c'est une plaine battue par le vent. Et là, je savais que j'étais dans le voyage, quoi. Enfin, j'étais seul, voilà, il y avait le vent. Et c'était magique, voilà. Ça, c'était un des moments les plus forts, en fait. Après, ouais, Moustier-Sainte-Marie, proche des gorges du Verdon. Bon, la lumière n'est pas très bonne, mais c'est vraiment génial.
la sortie des gorges du Verdon. Enfin, il y avait des jolis coins à voir. Et puis à un moment donné, première visite d'un centre, donc à Sofia. Donc eux, ils étaient prévenus à peine 3 semaines avant l'arrivée. Et donc malgré ça, ils ont réussi à organiser en fait une journée autour de ma visite. C'était vraiment sympa. On m'a filé un gilet jaune, donc ça me va très bien. Donc j'ai eu un gilet jaune préparé par le service COM qui m'a été envoyé à Bordeaux parce qu'il n'était pas prêt à temps. Et là-bas, c'était une association de cyclistes du site de Sofia qui m'a fait cadeau un gilet jaune aussi. Voilà. Et en fait, à chaque fois, dans chaque centre, il y avait quelques dizaines de personnes qui m'accueillaient dehors. Très souvent, il y avait le pot tout de suite dehors parce qu'en fait, il faisait pratiquement beau, toujours, dans chaque centre. Et toujours une super ambiance, quoi. Vraiment sympa. En repartant de Nice, j'ai fait beaucoup de rencontres sur la route. Donc, une première rencontre vraiment super marrante, c'était ce monsieur-là, monsieur Alain. Enfin, je montais sur la corniche d'Estérel, pour ceux qui connaissent, magnifique. Sur le bord de la route, je vois un vélo couché avec un monsieur là. Je me suis dit, bon, je vais lui demander comment il fait et tout. Et je me suis arrêté et il y avait le soleil déjà très lourd et c'était un bavard. Et il m'a raconté, on est resté 1 heure, mais c'était génial. Parce que je ne connais pas son âge, mais il a au moins 70 ans, c'est sûr. Et il a fait deux fois le tour du monde en vélo. Une fois en vélo couché avec celui-ci. Donc il s'est pris 1 an et demi pour faire le tour du monde. Il s'est arrêté plusieurs mois en Chine, où il a trouvé sa future femme. Et, il m'a raconté tout un tas d'anecdotes. Et voilà, génial. En fait, quand on fait du cyclotourisme, ça se passe naturellement, quoi. Donc voilà. Après, voilà, en fait, les 10 premiers jours, j'ai fait mon blog. Ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Et, mais après 10 jours, ce qui m'a gêné, en fait, c'est que c'est devenu un blog un peu, un récit de voyage. Et ce n'était quand même pas le but du projet. Enfin, je ne voulais pas que ce soit juste un voyage. Avant de partir, je me suis dit que bon, je vais rouler en journée. Et le soir, j'aurai le temps d'écrire des choses. Et mon idée, c'était de faire des petits billets sur l'environnement. Et finalement, j'ai pas eu l'énergie, le temps de le faire. Donc ça, c'est un des rares regrets que j'ai, que j'ai pas réussi à faire ça. Et du coup, après 10 jours, est-ce que ça va rester un blog de voyage? Au final, c'était plutôt ça. Mais j'ai eu quand même la chance que 3 journées de suite, en fait, je suis tombé soit sur des gens qui m'ont raconté de projets sociaux qu'ils font, d'insertion sociale, de ce qu'on appelle des migrants, des réfugiés. À Aigues-Mortes, ville très touristique, il y a une monnaie locale. Donc j'ai découvert ça, je ne savais pas. Et encore le lendemain, dans un autre endroit, j'ai vu un projet intéressant et j'ai pu raconter ça dans le blog. Ça, c'était sympathique. Et je me suis dit, là, c'est parti. Tous les jours, je vais pouvoir raconter un truc. Mais après, ça ne s'est plus trop fait. Et du coup, j'ai raconté mon voyage et c'est comme ça. Avec un peu plus de temps de préparation, je crois que j'aurais pu planifier vraiment un peu circuit pour passer à des endroits où il y a des initiatives intéressantes à rencontrer, à raconter. Mais ça, je pense que quelqu'un d'autre peut le faire l'année prochaine, à ma place. L'idée est lancée. Ah voilà, j'ai fait un tri ce matin, donc j'ai bien aimé cette petite statue. Alors, deuxième visite de centre, c'était à Montpellier, donc une antenne de Sofia. Et là, c'est la seule photo qui reste. En fait, ils m'ont filmé à l'arrivée, mais j'étais au mauvais bâtiment. Du coup, ils ont envoyé le doctorant Joao venir me chercher. Et du coup, on est arrivé à pied. Ils ont filmé. Le bonhomme qui arrive à pied. Donc, j'ai tiré une photo du film. Mais voilà. Ma famille m'a rejoint donc, après 10 jours à Montpellier. Elles sont venues avec les vélos et on m'a dit on veut faire des vélos avec toi. Moi je voulais faire une pause, mais bon.
On a fait du vélo, quoi, à Montpellier, très sympa. Et voilà. Après, des photos, jolies. Ah oui, ça. Ceux qui ont suivi le blog, ça c'est. Bon, c'est amusant comme image, c'était moins amusant en réalité. C'est vraiment, j'avais une étape de 120 km de Agde à Carcassonne, je crois. Et sur à peu près 90 km, j'avais du vent de 60 km/h en face, de face. Oh, ça finissait plus. Et du coup, voilà. Le bulletin météo, c'était petite tempête. Sturm, c'est pétanchelon, c'est tempête. La petite tempête qui lutte avec la grosse tempête. Et ben, la petite tempête a quand même réussi à aller où elle voulait, mais elle a laissé des plumes. Béziers, des jolis endroits, des trucs marrants sur le canal du Midi, des décorations cyclistes dans une maison de vélo à Agen, je crois. Voilà, quelques trucs insolites. Un pont en canal, toujours à Agen. Donc c'est toujours frappant de voir ça, un canal qui passe par une rivière. C'est bizarre. À Bordeaux. Donc jusqu'à là, j'étais accompagné par l'équipe le premier jour. Et à Bordeaux, il y avait un petit comité d'accueil avant d'arriver. Donc Pascal Guiton, Juliette Chavassier et son mari. Donc ils m'ont accompagné sur les derniers 20 km. Et Pascal, lui, c'est un cycliste passionné. Il m'a fait un roadbook pour 6 jours à partir de Montpellier. Il m'a tout préparé avec la description où tourner à droite à gauche. Génial, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé de différentes manières. Et en fait, aujourd'hui, j'aurais bien aimé remercier tout le monde, mais je n'ai pas eu le temps de tout préparer, je suis fatigué, donc je risque d'oublier plein de gens. Donc je ne vais pas le faire, ça va être fait sur le blog ou ailleurs. Voilà. L'arrivée à Bordeaux, génial, comme toujours, bonne ambiance. Et après, on est parti. Donc, mon ami Nick, il m'a accompagné pendant une journée complète. Après, il est reparti sur Bordeaux. Donc, je pense qu'au total, j'étais accompagné sur un quart du parcours. Voilà, c'est vraiment sympa. Alors, l'océan, en fait. J'ai raconté à Marianne ce matin. Dans mon imaginaire, je me voyais longer la côte atlantique pendant des journées entières. Voilà. Et en fait, j'ai eu 30 ou 40 km de côte, c'est tout. Parce que la piste cyclable, en fait, elle passe quand même loin de la mer. Et c'était frustrant. Et après, quand même, à un moment donné, on voit l'océan. Et ça, c'est quand même arriver à l'océan quoi, en vélo. Ça, c'est quand même génial. Voilà. Bon, après, d'autres rencontres. Donc ça, c'était le vélo d'un Ukrainien qui se promène depuis je ne sais pas combien de semaines avec son chien. Et qui va de, je ne sais plus, Portugal ou Espagne jusqu'en Lituanie. Je ne sais pas du tout pourquoi un Ukrainien va de là. Non. Mais voilà, on rencontre des gens qui font... J'ai vu quelqu'un qui fait du vélo depuis 4 ans, quoi. Donc, La Rochelle, vraiment super sympa comme ville. Ah oui, ça, c'était la journée grosse tempête, quoi. Là, c'était du vent à 100 km/h, mais magiquement, je l'ai eu dans le dos. Incroyable. Enfin, ceux qui ont vu sur le blog, j'ai mesuré ma vitesse avec des bandes kilométriques et sans forcer, je roulais à 45 à l'heure. C'est incroyable. Et après, la route tournait et j'ai eu le vent de côté et là, c'est danger mortel parce que ça te pousse 3 mètres et tu es sous le camion. Donc du coup, là, c'était le gros stress. Mais ça, c'était une journée spéciale. Enfin, aussi, ceux qui ont lu le blog l'ont senti peut-être parce que c'était un peu... une lutte et après une symbiose avec les éléments. C'est incroyable. Je ne veux pas le refaire, mais je suis content de l'avoir fait, quoi. Ouais, une photo de ce jour-là. Et à l'arrivée, j'aime pas trop faire des selfies, mais ce jour-là, ouais, je sais pas, j'étais content. Ah oui, à Nantes, une statue qui m'a plu. L'éloge du pas de côté, voilà, sympathique. Ça, c'est l'accueil à Rennes, toujours en fait. Vous allez voir des photos de tous les centres. Le départ de Rennes, en fait, j'ai eu beaucoup de jours de pluie. Et donc là, on est parti sous la pluie, on est arrivé sous la pluie. Donc il y a Bruno Tuffin qui m'a
accompagné sur une certaine distance, et Jacques Sainte-Marie, qui a fait 4 jours avec moi. Donc il est venu de Paris le matin en train, et il a roulé 4 jours avec moi, et il s'est régalé avec ça, quoi. Et pour moi, c'était vraiment très sympathique, quoi, d'avoir quelqu'un de sympa avec moi pendant une certaine durée. Ouais, je ne sais plus où c'était. À Saclay, il y avait une colonie de Schtroumpfs qui m'a accueilli. Ils ont fait faire des t-shirts pour la journée. Bon, c'était marqué développement durable sur les t-shirts. L'idée était vraiment très sympathique. Et puis, très sympa toujours, là, il y avait trois ingénieurs qui travaillent à Roquencourt, qui sont venus à midi, sont venus de Roquencourt à Saclay, et c'est comme 1 heure de vélo, avec 2 grosses pentes, pour repartir avec moi, pour m'accompagner. Vraiment super, quoi. En fait, le plus gros comité d'accueil, à côté de Grenoble, Grenoble, c'est évidemment, c'était le siège. Ça m'a vraiment scotché. Donc, j'arrive au siège à Roquencourt, et ils étaient 60 ou 70, la moitié du siège était là, dehors. C'est une super surprise, très agréable. Voilà, bon, il y avait beaucoup de gens, quoi, y compris des gens de la direction générale qui m'ont accueilli là-bas. Et le premier exposé de ma vie que je faisais en costume de cycliste, comme aujourd'hui. Je voulais me changer, mais après, je dis, en fait, c'est peut-être plus sympa comme ça. Comme ça, je peux montrer aussi mon bronzage. Ah oui, ce jour-là, je passais de Versailles, où j'habitais, à Saclay, puis à Roquencourt, et le soir, je devais arriver à Créteil, parce que j'étais logé chez un ancien étudiant pour aller le lendemain au centre de Paris. C'était plus pratique. Et du coup, le soir, c'était un énorme plaisir de traverser Paris à vélo. Et j'avais le temps. Donc, je suis descendu les Champs-Élysées. J'ai fait un tour de l'Arc de Triomphe entre les voitures, avec tous les bagages et tout. Ah, ça, c'était super, quoi. Et en fait, c'est trop marrant parce que les gens étaient tellement étonnés que tout le monde m'a laissé passer. Et au centre de Paris. Donc là, c'était le comité d'accueil le plus petit, et ça m'a fait un peu peur. Et finalement, malgré la première impression un peu mitigée, là, il y a eu la meilleure discussion, en fait, avec les gens. Donc, l'exposé que je vais faire tout à l'heure, mais je l'ai fait là-bas aussi, et les gens, ils ne voulaient plus arrêter de discuter, quoi. Et on a passé 2h30 ensemble. C'était génial, quoi. Le Nord. Donc, j'avais 2 jours pour monter à Lille, ça c'est Arras, je crois. Changement de région, changement d'architecture. Et arrivé à Lille, voilà. La banderole d'ailleurs, elle m'a suivi. Au début, je n'avais pas compris. Donc, à Bordeaux, j'ai vu une banderole où sur le dos c'était marqué Judo Club de Vizil. Après, j'ai compris. Ah oui, en fait, je ne suis pas fan de cyclisme sportif, pas forcément, j'apprécie le sport, mais je ne suis pas spécialement fan. Mais je connais comme l'existence de Paris-Roubaix, et je savais qu'il y a des pavés. Et donc, je regardais sur la carte où il y a des sections avec des pavés, et donc je fais 1 km de Paris-Roubaix sur les pavés. Et en haut, on voit, en fait, c'est là. En fait, il préserve précieusement des sections de pavés. C'est sacré là-bas, donc il n'y a pas une herbe qui pousse. Et je fais 1 km de ça, c'était chiant. Mais bon. Un clin d'œil à mon supporter favori. Là, c'est en Belgique. Voilà. Un petit coin de France, presque une enclave, Givet, je crois. Petite ville sympathique que je ne connaissais pas du tout avant. Ça, c'est au Luxembourg. Donc, un dispenseur d'eau potable, en fait. Ça, je crois que je l'ai vu à Metz, cette fresque. Et elle m'a plu aussi. Je pense que c'est sympa de penser de temps en temps au sens de ces mots-là. Liberté,
Égalité, fraternité, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Paul Zimmermann, donc un Français qui respecte tous les feux rouges. J'ai jamais vu ça. En vélo, normalement, enfin. Et lui, non. Il n'y a personne, il respecte le feu. Et super sympa, il m'a guidé pendant deux demi-journées, en fait, autour de Nancy. C'était vraiment super. Donc Nancy, enfin voilà. Quand j'arrivais à Nancy, c'était déjà la canicule, voilà. Et il y avait une sorte de pancarte ou quelque chose comme ça, enfin une stèle, je ne sais pas quoi. Et quand j'arrivais, tout le monde était aligné dans l'ombre de ce truc-là. Et juste pour la photo, on a transpiré ensemble. Départ de Nancy, donc avec Stéphane, un chercheur allemand. On a fait la place Stanislas et puis après on a fait 100 km ensemble. Donc très sympa aussi. Bon, y a une espèce qui est très intelligente parce que quand il fait chaud, ils se mettent à l'ombre et ils nous regardent rouler au soleil. Donc. C'est un peu con quand même. Et après, voilà, en fait, avec la canicule, je partais de plus en plus tôt parce que sinon, c'est quand même c'est pas très bien. Et du coup, le matin, je me suis amusé à faire des photos comme ça, avec le soleil rasant. Donc, voilà. On s'amuse comme on peut, quoi. Ça, c'est déjà Lyon. Donc, hier, avant-hier, je ne sais plus. Donc, pareil, à Lyon, on s'est rencontrés le matin à la Doua. Et puis, avec 8 ou 9 personnes, on a fait le trajet de la Doua à l'ENS. Où j'ai fait mon exposé, on a mangé ensemble, donc c'est sympathique, comme partout. Et hier, ça c'était hier, y a 3 vaillants grenoblois qui sont montés, enfin Serge c'est un faux grenoblois ou un faux lyonnais, je ne sais pas, mais Sophie et Guillaume sont montés en train le matin à Lyon pour faire le retour ensemble avec moi, donc super quoi. Et là, on voit déjà l'arrivée sur le Vercors, la Chartreuse. Et là, c'est quand même. Enfin, je sentais que j'arrive à la maison, quoi. Ça y est. Est-ce que vous avez des questions? Sur l'itinéraire. Oui. Parce que j'ai l'impression que, d'après ce que tu disais, c'était pas hyper préparé. Enfin, d'une étape à l'autre, tu as fait. Ah non, oui. Ah, c'est ça? Oui. Ça, j'imaginais pas, quoi. Bah, en fait. Non, j'ai la double nationalité, donc ça, c'était le côté français. Non, en fait, quand j'étais jeune, j'ai fait 3-4 voyages en vélo. Avec la tente et tout. Et là, en fait, ce qui est sympa, c'est que tu ne sais pas où tu arrives le soir. Tu as une liste des campings et tu vas où tu veux, tu t'arrêtes où tu veux et tu voyages. Voilà. Et ça, je n'ai pas pu faire parce que j'avais les dates à respecter. Mais du jour au lendemain, j'ai fait comme ça. Enfin, demain, je vais passer par là. C'est... En termes de qualité, parce que quand on fait du vélo, pas toujours réjouissant les routes à partager avec d'autres personnes qui circulent différemment. Ceux qui ont vu le blog, ils ont compris que ça m'a énervé des fois. Oui, je sais. Choisir l'itinéraire pour limiter ça. Mais au début, je connaissais pas ma forme, donc j'ai essayé de minimiser les distances. Du coup, j'ai pris le chemin le plus direct. Donc une fois une grosse nationale en partant de Sofia vers Aix. Là, c'était, et du coup, je dis, bon, plus jamais ça. Je fais une journée avec, sur une 4 voies, enfin 2x2 voies, avec plein de camions, tout ça, et je n'ai plus jamais fait ça. Voilà. Donc après, j'ai essayé de faire les petites routes un peu quand je pouvais, mais je ne pouvais pas toujours. C'était un mélange. Voilà.